Ce mardi 14 février, Kelly Vedovelli a subi une petite intervention pour se débarrasser d'un kyste dans le cou. Cyril Hanouna a donné des nouvelles rassurantes de la chroniqueuse sur le plateau de Touche pas à mon poste. Kelly Vedovelli a fait ses débuts dans Touche pas à mon poste en 2017. La jeune femme, aperçue dans le clip Bella de Gims, était à l'époque la jet de l'émission. Elle a finalement rejoint les chroniqueurs autour de la table pour faire part de ses coups de cœur et ses coups de gueule. Elle a confié tout récemment avoir été victime de harcèlement. J'ai fait l'expérience d'un homme qui me retrouvait tous les soirs après l'émission à Boulogne. De base, j'habite dans le sud de la France et quand je me retrouvais dans le sud de la France, il était vraiment en bas de chez moi, avait-elle ainsi révélé. La chroniqueuse a dû se faire enlever un lipome début décembre. La chroniqueuse faisait part de son inquiétude sur les réseaux sociaux, après l'apparition d'une excroissance dans son cou. Pour la boule que j'ai ici, j'ai de bonnes nouvelles. Ce n'est rien de grave, si est-il un lipome. Il faut l'enlever parce que ça grossit et si est-il très dérangeant, mais il n'y a rien de grave, avait-elle finalement rassuré. Elle avait révélé qu'une opération était nécessaire pour l'enlever et qu'elle était programmée pour ce mardi 14 février. Ce n'est pas grave, juste ce qui est délicat si est que si est collé aux cordes vocales. Si est une opération assez délicate à ne pas prendre à la légère, ajoutait-elle. Après avoir orchestré une émouvante demande en mariage dans TPMP, Cyril Hanouna a donné quelques nouvelles de sa chroniqueuse. Vous savez que Kelly avait une petite opération aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment ça s'est passé. Vous avez vu qu'elle n'a pas changé autant que ça, a-t-il commenté en désignant Sophie Coste, chargée de la remplacer. Kelly Vedovelli va prendre quelques jours pour sa convalescence, elle va bien. Sachez que l'opération s'est bien passée, a-t-il d'abord rassuré. Avant d'indiquer que la chroniqueuse serait absente quelques jours, le temps de sa convalescence. Et elle sera de retour la semaine prochaine, elle va se reposer, a-t-il précisé. Cyril Hanouna a ensuite rappelé ce qui lui avait valu cette intervention. Elle avait un kyste et donc si est-il terminé, le kyste est parti, on embrasse le kyste, a-t-il ajouté. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal.